Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. Nous devons 5 loyers. Demain, nous serons à la rue. Sûrement une bonne nouvelle. Inspecteur de la sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand. Oui. Monsieur Montferrand est mort. Il a été assassiné. J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle. C'est un vieux cochon. Et elle aurait 5 ans de prison. Pas forcément. Légitime défense. Alors c'est moi. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang en gêne. Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité? Bravo, Mathieu. Ta vie me semble si différente à présent. Décidément, ton crime fait des miracles. Pour mademoiselle Verdier. Encore? Pendant 40 ans, j'ai pas osé tuer mon mari. Si j'avais su... Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes. Bonjour mes poupées. Mais regardez-moi ce luxe. C'est trop de chance. Eh bien, je vous en prie. Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent. Les coupables qui nient, c'est ennuyeux. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant. Je me demande si j'ai pas soudain perdu la notion du bien et du mal.